sur Meridien. Oh merde. Qu'est-ce qu'on fout tous à l'hôpital, bordel? Patronne. Vous m'entendez? Ah oui. Oh. Wesh. Aïe. Bon. Aïe. Bon, va... Ah mais j'ai une balle. Aïe. Ouais, j'ai mal aussi. Très mal. Ouais. Oh putain. Ouais, tu sais quoi? Ouais, je sais pas. Putain. Putain, et tout ça. Il y a un médecin là-dedans. Wow, c'est la merde là. Wouah. Ouais, y'a un médecin là-dedans. Ah, quoi. Ça va. Toi aussi, t'es trop partout. Je te donne mon badge. Mais non, je suis pas. J'ai pas la capacité de faire. Aïe. Il y a des gens dans l'hôpital ou pas? Ok, ok. Non, il y a personne dans l'hôpital, il vient d'en faire le ciel. Vous voulez que je vous ramène ou vous voulez attendre un toubib, madame? Ça, c'est pour la bientôt, vite. Patronne? Oui. Vous voulez que je vous ramène ou je voulais attendre un médecin? Non, je voudrais bien qu'on me ramène. Je vous ramène, venez. Putain. Je suis en train de chier là. Vos sacs. Bah, je peux pas l'enlever moi parce que s'il y a un truc dedans. Ah. .05 pour 12, ouais. T'es où? Je suis à la villa. T'as moyen de venir me récupérer? Ouais, y allez. Écartez-vous, laissez-la respirer. Ouais, c'est... papier. Quel papier? Il est marqué que Tony est mort. T'es où? T'es hôpital, juste devant avec deux autres personnes. C'est quoi ce bordel? Prends une voiture s'il te plaît. Ah non, il est sur moto moi. Le papier est pas signé. Il est en moto hein, s'il veut. Comment ça, Tony il est mort? C'est pas... Non. Il est où Tony? Je sais pas, il est peut-être derrière, c'est peut-être une blague. Mon frère, tu es là? Sors de ta cachette, c'était drôle 5 minutes. Tony. Mon frère, sors, c'est bon. Pour 00. Allez, Tony. 05 pour 12, t'es où? J'arrive. Je suis encore devant. Je sais pas. Ouais, je crois que... Ouais. On va faire ça. Vous voulez aller voir à la villa, madame, au cas où? Oui. Je vous ramène, venez. J'y crois pas, là. Attends, déjà, j'ai cherché une voiture, si vous voulez. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Oh, ok. C'est quoi, ça? Non, mais t'inquiète. Moi, je me pose plus de questions. C'est bon. Pas. 9 pour 12, ne sortez pas, il y a les condés.
Asseyez-vous, madame. Maintenant, revenez au parking. Allez, réponds. S'il te plaît, mon frère, réponds. Oh là là. Je refuse d'y croire, c'est pas possible. Vous donnez putain, le coup, madame. Peut... Mais ça peut être qui? Je sais pas. J'ai pas cette information, mais on va tout faire pour les avoir. Il est où le parking? Juste en face, je vais chercher la voiture. Attendez-moi au coin de la rue au panneau là. J'arrive. Oui. Aïe! Ah, ah, pas courir. Aïe! Ça fait mal. Ah putain. Ne sois là, viens t'enlever là. Certains ont été pris ou pas par des flics? Cassez-vous, putain, et essayez dans l'hôpital. Bah, nous on est revenus, on est sur le temps. Mais les gars, il y a là des gens à l'hôpital où il y a de la chasse. 47. Pour la patronne. Madame. Est-ce qu'il y a des gens à l'hôpital? Ils répondent pas. Ouais, on est 5, on est sur le toit, on attend. Il va vous chercher, il va vous chercher. Mais je pense que c'est toi qui vas les chercher. Nous, on s'est changé, on va arriver avec une Buffalo dehors. Ouais, c'est 19, je vous remercie. Derrière l'autocase. Ok, les gars, autocase. Il vient vous chercher, vous êtes changeable. Les gars, ceux qui, allaient, qui vont chercher, posez vos armes dans un véhicule. 77, je t'ai envoyé une position. Vous êtes à l'hôpital du coup? Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir un hélico, mais on est sur le toit de l'hôpital. Madame. Oui. Est-ce que vous savez si on a des informateurs? Vous cherchez sur le toit de l'hôpital, mais ça veut ou quoi? Ok, vous n'avez pas accès au toit de l'hôpital. Je vais mettre des hommes sur la récolte d'informations, de toute information étant pouvoir relier à ce petit mot que vous avez eu là. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Tony se sentait en danger par rapport au milieu et... Il m'en a parlé aussi. T'es où? La police devant là, non? Il n'y a qu'un vécu, il n'y a qu'un commissaire. C'est moi qui étais en Buffalo, t'es où? La radio. Si. Je t'ai envoyé une pause, Pas moi, non. Il m'avait parlé du milieu qui, avec un rendez-vous à la maison qu'ils avaient ramené. Lyonnais. Qui a besoin d'une autre moto pour venir chercher quelqu'un. Et suite à ça, ils avaient même programmé un rendez-vous que Tony avait pas été parce qu'il suspectait quelque chose. Bonsoir. Si, j'étais là, il m'en avait parlé aussi. Après, tout ce que je sais, c'est que les escadrons, ils insistaient pour nous voir. C'est bizarre, ça. Tout à fait, alors que moi, je les avais rencontrés sous le nom de la PEC il y a bien longtemps. Et depuis, ils ne les avaient pas recroisés. Le milieu nous aurait trahis? Enfin, trahis. On peut pas vraiment appeler ça une trahison, mais... Qui avait la carte d'identité de Tony? De plus longues informations que je puisse avoir, les premiers à l'avoir eu, c'était, il me semble que c'était les Lyonnais. Mais rien ne dit qu'il ne l'ait pas revendu à telle ou telle personne. Et pourquoi les Lyonnais? Je sais pas. Ils l'avaient. Ah, ça remonte à avant qu'on devienne la pègre. Ils s'étaient fait attraper, je sais plus pour quelle raison, et ils avaient sa carte d'identité. D'accord. Donc moi, potentiellement, je me demande si... Parce que les Lyonnais, on n'entend plus parler d'eux en ville. Si. Donc ça peut être probablement le milieu. 25-61, Rondeville là. Ah merde, je suis plus en radio. Moi non plus, ça parlait trop. C'est pas grave. Ah, bordel de merde. 25 Rondeville. Il faut que je trouve un maximum d'informations sur... Ça va, rien. Non, on a toujours pas de nouvelles de Tony?
J'ai rien du tout, perso. Tu es sur la radio? Non, je suis sur la radio, ouais, mais moi je suis pas mort. Demande à... Comment ça... si, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à l'hôpital, ok, je comprends mieux. Demande, demande un call radio et tu leur dis que je veux un maximum d'informations sur où pourrait être Tony ou ce qui pourrait lui être arrivé. Ça peut être qui? D'accord. Moi, il m'a dit qu'il y avait eu un 96 pour radio. Est-ce que quelqu'un sait où pourrait se trouver Tony et qu'est-ce qui lui est arrivé? Merci. C'est 61 qui demande. Combien tu as dit? 61. Ah, si, si. Tu sais, j'ai 61. Bah, c'est rien, j'ai changé mon appareil auditif, des fois j'entends pas très bien. Je me suis dit, attends, c'est ça. Non, sur le coup, je croyais que tu avais dit 69, tu vois. Ah non, 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 t'inquiète. Je vais me changer, j'arrive. Je me ressouviens de toi, hein, t'inquiète. Escadron qui t'a poursuivi et je sais pas après. L'escadron, pas tu ce dis c'est passé, les gars. L'escadron. La main rouge. Ouais. Et t'en suivi qui, non, bah qui vous qui ont suivi le convoi, quoi, notre convoi. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Après, on s'est barré avec avec 09 à la mairie. Puis après, bah. Putain, du coup, ce serait les escadrons qui nous auraient fumé. Exactement. Et ce serait eux qui auraient fumé le boss? Non, le boss il est plus résistant que moi, ça je quand sais même. Pas, j'ai pas de nouvelles du boss, je sais pas. Le boss je sais pas. On attend le boss tous, là, moi aussi. J'ai pas de nouvelles. Oh, je pense que c'est la fin. La fin du mois pour le boss. Bah s'il est pas mort. C'est pas ça, c'est pas ça. Personne, je sais pas s'il est mort. Il y a 25 qui est pas bien. Mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Non, je doute pas. C'est normal que la patronne soit mal. Tout le monde est dégoûté, tout le monde est mal. Personne sait rien, surtout on a dormi un petit coup. Moi je le connais depuis la crime. Pauvre de toi, Diego, c'était mon propre frère. Tu veux qu'on en discute? Attends, ouais. Je sais. Putain de bordel! J'y crois même pas en vrai, c'est chaud patate. Je sais pas, moi je suis dans un rêve là. Vous allez me choper un maximum d'informations. Je veux des témoins visuels, je veux tout. Tout plein d'informations sur ce qui s'est passé. Ouais, il nous faut juste des infos, hein, si Boris c'est l'escadron. Si. Ouais. Ça, je l'info qu'on a. C'est ce qu'on a. Déjà, on sait qui c'est. On va pas aller loin, mais même. Ce qui est dans la cuisine. Là. Je veux savoir pourquoi ils ont fait ça. On a regardé derrière la villa, si jamais il y avait des gens ou pas. Bah les virus sont encore contre eux. Et moi Tony il m'avait averti que avec le milieu ça se passait pas très bien en ce moment. Et qu'il suspectait le milieu de nous avoir trahis. C'est ça.